Chef ne t'arrive pas des loges sur vous. Il paraît que c'est la première fois que vous venez à Gérardmer. J'ai grandi ici, je vais pouvoir vous aider. Mais vous faites partie de la CRI. Je crois qu'on n'a jamais eu affaire au service. Vaut mieux pas. Écoutez, je me suis pas tapé 600 bombes pour me refaire la guerre de police. Alors dites-moi ce que vous savez sur l'affaire. Tout est dans le dossier. Je le regarderai plus tard. Vous écoutez. Théo Baldi, 25 ans. Il a été retrouvé mort, assassiné il y a quelques jours dans la montagne. Il lui a planté un couteau dans le cœur. Et qui sont les suspects ? Son oncle. Et Livia Dolores. J'ai aucune confiance en elle. Les principaux suspects sont ces deux seuls héritiers. Antonio Baldi, l'oncle de la victime, âgé de 60 ans, et Livia Dolores, la meilleure amie de Théo Baldi, âgée de 25 ans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle ? Livia a grandi dans la région. C'était une alpiniste comme Théo. Ils étaient souvent ensemble. Et quelle serait sa motivation ? Elle était jalouse de Théo. Elle enviait sa richesse, parce que elle a toujours dû faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins, alors que... Il avait déjà tout. La voilà qui arrive. Bonjour, mademoiselle Dolores. Bonjour. J'espère vraiment que vous allez trouver qui a fait ça. On va tout faire pour, je vous le promets. Vous pourriez me dire où je pourrais trouver l'oncle de Théo, s'il vous plaît ? Il doit être au bar. À 10h du matin ? Excusez-moi, mais j'ai l'impression de vous déranger. Non, j'ai un emploi du temps chargé et je suis pas fan de l'uniforme. Si vos collègues veulent me contacter, ils ont mes coordonnées. Bonjour ma belle. Comment allez-vous ? Eh bien, pas de problème. Je vais en rendez-vous galant. Oh ! C'est Sandrine la coiffeuse. Je vous présente l'inspecteur Jordan. Bonjour monsieur Baldi. J'aimerais bien vous poser quelques questions à propos du meurtre de votre neveu, s'il vous plaît. J'ai déjà tout expliqué au chef de la police. Hein. Non, mais j'aimerais bien avoir votre version des faits. Alors, ma version des faits, c'est que mon neveu, il a été tué. Et on est accusé, enfin, son ami et moi. Tout ça parce qu'on pense qu'on veut lui rafler sa fortune, son héritage. Mais moi, je m'en fous de son fric, j'ai le mien. D'accord ? Moi, je ne veux pas devenir comme mon frère, avare, égoïste, et il sait rien faire avec son fric, de toute façon. Voilà. Moi, je ne veux pas devenir comme ça. Vous avez quand même peut-être bien l'idée de savoir qui a tué votre neveu. Alors, Théo était un brave garçon. Tout ce qui l'intéressait, c'était la montagne.
Il y avait une petite amie ou... Non. Comment vous savez? Tout le monde se connaissait ici, donc s'il y en avait une, on le saurait. Et puis il n'avait pas le temps d'avoir une relation, hein? Voilà. Théo, c'était la montagne, ou alors il allait au bar, rejoindre ses copains alpinistes, et c'était tout. Voilà. Bon, monsieur l'inspecteur, mademoiselle, je m'excuse, mais on ne fait pas attendre les dames. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Est-ce que vous avez interrogé d'autres personnes? Les interrogatoires sont secrets. Eh bien, moi, j'ai un rendez-vous galant avec la boulangère. Vous connaissez? Bon, écoutez, j'ai du travail. Hein. Elle fait des croissants. Ils sont délicieux. Ouais. Comment ça va, ma belle? Qu'on a retrouvé son corps. Théo me manque. Il méritait pas ça. Merci. Vous savez si quelqu'un lui en voulait? Non, tout le monde l'aimait. Catherine Thourion m'a dit qu'il n'avait pas de petite amie. Pourtant, il avait l'embarras du choix. D'ailleurs, elle faisait partie de ses prétendantes. Catherine a toujours eu le béguin pour lui. Bonjour à Manonville. Vous appréciez Gérard Meur? De plus en plus. Et ça dérange pas votre famille quand vous partez comme ça? Moi, j'ai ni femme ni enfant, alors... Pas d'attache à Bruxelles, alors?
Inspecteur Jardin, s'il vous plaît. Venez, Antonio Baldi vient d'être trouvé mort dans la rue à côté du bar. Quoi? Antonio est mort? Il avait un couteau planté dans le cœur. Venez, s'il vous plaît. Notre équipe a tout vérifié. Et ce sont bien les cheveux de Livia Dolores qu'on a retrouvés sur le corps de Théo Baldi. Livia a donc tué Théo. Et puis elle a tué son oncle. Pour être la seule héritière de la fortune familiale. Ouais, ça semble logique. Ça semble logique, oui. Pourtant, moi j'ai une autre théorie. Quand vous m'avez parlé de l'expérience d'Olivia Dolores l'autre jour, vous me parliez de votre expérience à vous, en fait. Ça n'a pas dû être facile de toujours compter que sur soi-même. Olivia m'a dit que vous étiez amoureux de Théo Baldi. C'est faux. Ben, je l'appréciais, c'est tout. Vous n'avez jamais compris qu'il passe plus de temps avec quelqu'un avec vous. Bah, on s'entendait bien, mais... Mais c'est sûr qu'il ne m'a jamais regardé comme elle. Être élu au retour, c'est pas facile, hein. Non. Moi, j'ai tout fait pour lui. Mais lui, il avait Dieu que pour Livia. Alors, vous n'allez pas dire Météo. Je lui ai dit que je l'aimais, mais... Lui, il avait Dieu que pour sa montagne, pour ses copains. Je comprends. Et puis après ça, vous avez poignardé son oncle pour faire accuser Livia des deux meurtres. C'est une bonne idée. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Comme je vous l'ai dit, c'était une théorie. Vous êtes de la confiance.